Aujourd'hui, Robinson ramasse les déchets abandonnés sur la plage. Ah, vaste sujet que la pollution. N'est-ce pas, Robinson? Tu as le temps de nous en parler? Les voitures et les usines rejettent des gaz toxiques qui polluent l'air. Oh, regardez ces fumées qui noircissent les immeubles! Les gaz toxiques génèrent aussi des pluies acides qui détruisent la végétation. Et ils menacent notre santé. Allergies, toux, asthme, bronchite. C'est pour cela que lorsque la pollution est forte, il est conseillé aux personnes sensibles d'éviter de sortir ou de faire du sport. Tu as capturé de l'air? Il est invisible. Et pourtant, il est partout autour de nous. Maintenant, on voit l'air. Ces bulles, c'est de l'air. Ce qu'on appelle l'air est en fait l'atmosphère. Elle est composée de plusieurs strates, dont, entre autres, la couche d'ozone. Rappelez-vous, c'est elle qui filtre les rayons dangereux du soleil et protège ainsi la vie sur Terre. Mais à cause de la pollution, elle diminue. Au pôle, elle a même tendance à disparaître complètement. L'effet de serre permet de maintenir des températures favorables à la vie sur Terre. Mais la pollution le fait augmenter. Les températures montent, c'est le réchauffement climatique. Les glaces fondent, le niveau de la mer monte. Cela provoque des catastrophes, inondations, cyclones, sécheresses. Nous devons tous agir pour faire diminuer la pollution et protéger notre planète. Par exemple, en triant nos déchets pour permettre le recyclage. Et en les ramassant, évidemment. Ou encore, en préférant les transports en commun à la voiture, afin d'économiser l'essence. Au revoir, Robinson!